Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un full face avec tous mes produits, mes plus gros coups de cœur que j'ai eu pour chaque étape. Alors, c'est une vidéo qui m'a été suggérée, je ne sais plus par qui, je suis désolée, mais voilà, j'ai trouvé l'idée très agréable pour regrouper vraiment mes plus gros coups de cœur de ces derniers temps. Donc ça va être un full face, d'où la tête de Guenush, mais voilà, je peux pas faire autrement. Donc hier j'ai fait mon courbement de cils, donc mes cils sont magnifiques, tout simplement. Donc j'ai plusieurs alternatives, parce qu'il y a des fois, il y en a que j'ai du mal à faire un choix, mais grosso merdo, c'est à peu près tous mes plus gros coups de cœur du moment, donc on attaque tout de suite. Donc je me suis rapprochée un petit peu, j'ai dégagé la tout fait, et on va donc commencer avec la base. Donc là j'en ai deux gros coups de cœur. Ils ont chacune leur point fort et leur point faible. Donc il y a bien sûr la NYX Marshmallow, c'est celle que le coup de cœur le plus ancien que j'ai. Ce que j'adore, c'est qu'elle est en flacon pompe, j'adore l'odeur, j'aime bien l'effet. Ce que j'aime le moins, c'est son prix. Bon, je suis désolée, mais il y a beaucoup de circulation. Et la Shiglam, la Birthday Suite, je crois qu'elle s'appelle. J'ai pas mes lunettes, donc je vais avoir Birthday Skin. Elle, son bémol, c'est qu'elle est en pot. Mais le prix est plus avantageux. L'odeur est super agréable aussi. Un peu moins cocooning que la Marshmallow. Mais son prix est super avantageux. Et je préfère limite son effet que la Marshmallow. Donc c'est celle que je vais utiliser parce que l'autre, elle est pour enflammer tout simplement. Donc quand j'avais fait le crash test, j'en ai mis un petit peu beaucoup. Donc j'ai compris enfin comment... voilà, j'en ai mis encore un peu beaucoup. J'en ai en dessous des ongles. C'est pour ça que j'aime pas les formats pot. Mais je passe au-dessus, hein, parce que vu l'effet et le prix, je passe au-dessus largement. J'adore cette base. Donc je pense que je vais me commander du backup. Bon, après j'ai une tonne de NYX encore à utiliser, mais... Donc il faut bien la lisser, bien l'étaler. Alors oui, elle a un petit côté un peu blanchâtre sur la peau, mais elle unifie, elle lisse, elle hydrate. Elle est magique cette crème, enfin cette base, j'adore. Donc j'en mets même sur mes yeux. Et vous voyez, déjà rien que les cernes, ça les camoufle quoi. J'adore cette base. Et je sais pas pourquoi celle-ci, je la mets à une main. Pour bien l'étaler, je sais pas pourquoi. Toutes les autres, je les mets avec mes deux mains. Celle-ci, non. Une main. Mais l'effet est quand même assez bluffant, je trouve. Après, j'aimerais bien tester l'autre aussi, parce qu'elle existe en version plus hydratante. Donc, je pense que dans ma prochaine commande, je prendrai au moins un backup de celle-ci et l'autre pour la tester. Voilà. Bon, la base, c'est fait. Le fond de teint, mon plus vieux coup de cœur, c'est le True Skin de chez Catrice. C'est celui que j'utilise en ce moment dans ma rotation. Je l'aime beaucoup. Il est assez léger sur la peau. Il a une belle couvrance. Il a une belle hydratation. Une bonne tenue. Rien à dire. Et belle découverte pour le Shiglam, encore une fois. Il y a beaucoup de Shiglam, vous avez remarqué. C'est le complexion pro, donc en teint de fer, hein. La teinte nude est beaucoup trop orangée pour moi, donc j'ai utilisé celui-là. Gros coup de cœur pour les éponges aussi. Bon, pas celle-ci, c'est pas ma préférée. C'est vraiment la licorne, hein, que je préfère. Elle est encore plus souple que celle-ci, mais celle-ci est déjà pas mal, hein. Alors le Shiglam, il est un peu plus compact, donc il faut le travailler juste un petit peu plus. Mais franchement, l'effet est canon. Donc pareil, là, je ne sais pas choisir vraiment celui que je préfère des deux. J'aime les deux autant l'un que l'autre. C'est juste que celui-ci est un peu plus épais, un peu plus couvrant. L'autre est peut-être un peu plus naturel sur la peau, mais j'adore. Alors, vous allez me voir encore une fois très blanche. Mais il est vraiment à la bonne teinte pour moi. Ça, c'est l'effet des éclairages. Bon, là, j'en ai mis un peu beaucoup. Et puis son prix, je vous en parle pas. Ok pour les fonds de teint. Donc vous me voyez vraiment très blanche, hein, mais c'est pas le cas du tout, je vous promets.
Alors, en anti-cerne, j'ai pas eu de plus gros coup de cœur depuis le Conceal and Define Infinite de chez Révolution. J'aime tout, sa couvrance, sa texture, son embout, sa teinte. J'aime tout. Moi, je l'ai en teinte C2. Je le prends en C2, en C1, ça dépend ce qui est en stock. Mais je l'adore. Et ce gros embout-là, il n'y a pas photo. J'ai pas trouvé mieux. Même si j'aime beaucoup le XX également. Là, c'est un tout neuf. Hein. Je viens de l'ouvrir pour la vidéo. Je suis trop gentille avec vous. Je gaspille mes produits. J'ai presque fini le essence. Et le essence aussi, mais le essence, c'est vraiment pas un de mes préférés. Enfin, c'est plus depuis que j'ai découvert celui-là. Par contre, au tout début, il est hyper chiant à prélever. Il prélève que très peu de matière. Et une fois qu'il est un peu plus vieux, vous pouvez enlever l'essoreur et c'est mieux. Beaucoup mieux. Mais j'ai pas trouvé mieux depuis. Ce qui est juste chiant, c'est son prix, parce que je le trouve pas donné. Donc, je blende ça toujours avec ma éponge. Mais je crois vraiment que l'essence, une fois que j'ai fini mon stock, je l'achèterai plus, parce que je préfère vraiment les deux révolutions. Il fait un peu plus grumeleux en dessous des yeux, je trouve, le essence. Pourtant, il est plus fluide. Mais il donne une texture à la peau que j'aime pas trop. Donc je reblende un peu partout. Alors, en poudre, gros coup de cœur sur les poudres Max & More de chez Action. Voilà, soit la coco, la peach ou la cerise. Alors la banane, je l'ai pas, mais comme elle est un peu jaune, ça m'intéresse pas parce que j'aime pas du tout les poudres jaunes. Et pareil pour la Shiglam, gros coup de cœur. Ce que j'adore, c'est la poudre au-dessus. Pour le dessous des yeux, elle lisse et illumine, franchement elle est géniale. Ce que j'aime un peu moins, c'est la contenance, parce que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, il n'y a que la moitié du pot de la poudre libre. Le tamis est pas hyper pratique non plus, mais bon, rien que pour celle-là, ça vaut le coup. C'est une neuve, je vais pas l'entamer maintenant, donc je vais utiliser une de mes trois ici. Je suis en train d'utiliser la coco en ce moment, mais je vais utiliser la chérie. Allez, j'aime bien l'odeur. Et mon coup de cœur houppette, Linda Albert. J'ai pas trouvé. Voilà. Je l'adore cette houppette. Elle est hyper pratique. Elle va dans tous les petits coins. Elle est géniale. Elle est magique. Donc, je poudre en premier mon anti-cerne pour pas qu'il se fasse la marre. Donc, oui, j'ai mis une grosse dose de poudre. Oh, qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Je crois que c'est l'odeur que je préfère. Elle sent une bonbon à la cerise, mais elle sent une bonbon. Donc d'habitude, je fais mon teint en pyjama pour éviter de mettre de la poudre sur mes vêtements noirs. Là, je suis habillée. Ensuite, je balaye l'excédent partout. Je blende pour éviter les taches. Pour bien la fondre. La peau et tout ça, tout ça, tout ça. Ensuite, je redonne toujours un coup de fond de teint poudre, soit à la houppette, soit au pinceau. Là, je le mets à la houppette. C'est le Révolution. Voilà, j'ai pas trouvé mieux le Conceal and Define en teinte P6. Il a une teinte parfaite. Il floute bien le teint. J'adore ce fond de teint poudre. Et rapport qualité-prix, il est top. Il est vraiment pas cher. Bref, vous avez compris. J'ai pas trouvé mieux. J'ai que un coup de cœur là-dessus. Ça fait vraiment. Moi, je l'utilise vraiment en tant que poudre de finition. Parce que je trouve que le rendu fait hyper lisse sur la peau. Quoi. Je sais pas si vous voyez une différence, mais oh, j'adore le rendu de son teint. Et je rebalaye l'excédent. Alors, ensuite, je passe au bronzer. Déjà mon petit pinceau, mon plus gros coup de cœur, c'est le Nabla. Voilà, le Soft Revenge Skin Bronzing de chez Nabla. Je l'adore. C'est Manon qui m'avait offert dans un swap. J'en suis red dingue. Et si vous voulez une alternative moins chère, le Fawn de chez Beauty Bay. J'adore ce bronzer. Voilà, il est vraiment
Canon. Après, il y a le Tom Ford aussi que j'aime bien, mais voilà, question prix, c'est pas possible. Et je me le suis pas acheté, enfin, je me serais jamais acheté un produit de ce prix-là, donc je ne vous présente pas. Mais si vous voulez un moins cher, le Fund de chez Beauty Bay est d'enfer. Comme il est dans ma rotation, je vais utiliser le Labla. Je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps, mais je m'en fous, je l'adore. C'est mon préféré. Il n'y a pas à chercher midi à 14h, c'est vraiment. Mon préféré, la teinte est géniale, il se travaille divinement bien, oh, ils se font à la peau, c'est un bonheur à utiliser ce bronzer. Alors, petit contouring de nose, normalement j'ai un pinceau quelque part. Je vais prendre celui-là, je sais pas si j'en ai un autre dans ta main. Ah, utiliser. Normalement oui, parce que je vous ai tourné un full face il n'y a pas longtemps. Voilà. On blend un petit peu. Alors, le blush, j'ai deux big coups de cœur. Ouais, deux big coups de cœur et un troisième que j'aime beaucoup. Alors, celui que j'aime beaucoup, c'est le Beaten de chez Beauty Bay également. Voilà, rien à dire, c'est une teinte que j'adore. Ils se travaillent super bien, ils sont vraiment pas chers. Gros coup de cœur pour ces petits blushs là. Enfin, les produits Beauty Bay, franchement, grosse découverte, comme les Chiglas. Ensuite, il y a le Nabla que j'ai en teinte Lola. Pareil, il venait de Manon, je crois, dans un swap aussi. Pareil, j'adore la teinte. Après, on reste toujours dans le même genre de teinte, mais celui-ci, c'est un lumineux. Et je pense que pour ce printemps-été, il va être juste magnifique. Mais mon préféré, de chez préféré, de tous les temps, c'est le Rosebud de chez KVD. Celui-là vient de Amy et j'adore la teinte. Je l'adore, je l'adore. C'est vraiment un berry un peu mauve comme ça. J'aime trop cet highlighter, ce blush. Alors très pigmenté, mais j'adore. Et pareil, hein, il se travaille divinement bien. Mais j'aime trop. Bon, après c'est mes coups de cœur, donc c'est normal que je les aime. Hein. Je suis un petit peu logique hein, ce que je vous raconte, mais c'est vraiment mon blush préféré. Si je devais en garder qu'un, c'est clairement celui-là. Alors, un autre produit coup de cœur, que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mais que j'aime trop. La Turn of the Light de chez Too Faced. Rien que la poudre Soft Focus, c'est de la bombe atomique. Et les deux highlighters, j'aime beaucoup aussi. Ça fait hyper longtemps que je ne les ai pas utilisés, parce que pour l'instant, j'utilise le quad de chez Hourglass dans ma rotation. Et j'utilise exactement de la même façon. Mais je vous jure, je l'aime tellement celle-ci que ça fait depuis que je l'ai que je me tâte à la racheter en backup, quoi, tellement je l'aime. Donc j'en mets sur les cernes, sur l'arête du nez, l'arc de Cupidon, un petit peu sur le menton et un petit peu au centre du front. Bon, à éviter si vous avez la peau grasse. Après ça donne un peu effet friture. Ça. Je blende, ma mi-blendage. Alors, avant de passer au fixateur, je fais toujours mes sourcils et j'ai trois produits. J'ai deux crayons, dont le Foera. Voilà, c'est mon coup de cœur le plus ancien que je trouve sur AliExpress. Je l'adore. Il a une teinte parfaite. Moi, je le prends en. C'est quelle est la teinte? Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. C'est tarte brunette, je crois. Je ne sais plus. Je ne vois pas où c'est noté. Mais j'adore ce crayon pour le prix, franchement. Et pareil pour le Chiglam, encore une fois. Je l'aime vraiment beaucoup. Je ne sais pas lire la teinte, encore une fois. Hein, mais je ne sais même pas si c'est noté. Enfin bref, je l'adore. En plus, vous avez un petit dessin pour expliquer de quel côté se trouve le goupillon et de quel côté est le crayon. Ça, c'est pas mal. Bien que moi, j'ouvre toujours les deux. Et c'est question voilà, d'habitude. Donc, brosser mes sourcils avant de faire ça. Bon, j'ai fait le lift brow, hein, donc je ne les ai pas plaqués au savon. Surtout qu'il y a un autre produit après que je vais utiliser. Du coup, ils partent un petit peu en cacahuètes. Suis un peu loin de mon miroir pour faire mes sourcils. Mais voilà, ça marque tout seul, même sur le savon, hein. Il marque un peu moins bien sur le savon, forcément, mais il marque super bien. La teinte est parfaite. Il est un peu cendré.
Vous savez que j'adore les crayons cendrés, pas trop chauds. J'adore. Et il est plus facile à se procurer que le Fuera, parce que le Fuera, souvent, comme vous l'achetez, il marque frais de port gratuit. Si vous en achetez 2-3 d'un coup, hop, les frais de port augmentent et pas qu'un peu. Et souvent, le vendeur vous redemande des sous par-dessus. Alors quand ça arrive, surtout ne payez pas. La dernière fois, il me demandait 10 centimes. T'es pas à 10 centimes près, coco, quoi. Je veux dire, c'est pas ça qui paye les frais de renvoi. Hein. Vous répondez pas, tout simplement. Ils sont obligés de vous les envoyer finalement. Et s'ils les envoient pas, parce qu'ils peuvent pas annuler la vente parce que vous refusez de payer. Hein. S'ils les envoient pas, vous ouvrez un litige, vous êtes remboursé. Et surtout, ne payez pas s'ils vous demandent des sous en plus. Hein. C'est pas très légal. Hein. Quand vous allez faire vos courses à l'Aldi, la caissière, elle vous rappelle pas après pour vous dire venez me rapporter 10 euros quoi. Prix affiché, prix vendu. Hein. C'est dans les lois du marketing. Parce que la dernière fois, il m'a réclamé des sous, j'ai pas répondu. Il les a envoyés. Hein. Alors, je blende. Alors, encore un coup de cœur sur Sale, c'est de chez Beauty Bay de nouveau. C'est le Brow Fixer que j'ai en teinte sable. Amy m'avait donné la teinte Smoke que j'aimais déjà beaucoup. Et celui-ci a une teinte plus appropriée. L'autre, la Smoke, c'était vraiment du noir. Et là, c'est plus approprié. Alors, c'est pas un produit que j'utilise tous les jours. Mais par exemple, là, quand j'ai fait le Lift Brow, ça me suffit. J'ai pas besoin du savon, donc ça les fixe un peu, ça les reteinte, ça les comble. Après, si vous avez déjà des beaux sourcils le naturel, vous pouvez utiliser uniquement ce produit. C'est largement pas assez parce que j'ai plein de trous, j'ai plein d'épis, et puis j'aime quand ils sont bien définis. Mais ce produit, franchement, j'aime beaucoup. Et voilà des sourcils en flic. Alors, fixateur. Gros dilemme pour les fixateurs. Il y en a vraiment deux que j'aime beaucoup, beaucoup. Et il y en a vraiment un que j'adore. Alors, ceux que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est le Révolution Super Hold Fix. Super Fix, Super Hold Misting Spray. Ultra Matte Finish avec de l'aloe et de la vitamine E. Je l'aime beaucoup, il est vachement moins cher que celui que je préfère, 150 ml pour 8 euros, je crois, de mémoire. Il est très bien, j'aime beaucoup la brume, qui est un spray, mais pas en continu. Mais j'aime beaucoup son effet, j'aime bien son odeur. Ensuite, il y a le Morphe, voilà, là c'est aussi une brume fixatrice, mais là c'est en continu. J'aime bien aussi l'odeur, sauf que j'aime beaucoup le rendu qu'il a. Il est plus cher, mais également le fait que je ne me sente pas mouillée. C'est un peu contradictoire parce que justement, les gens n'aiment pas, enfin, la plupart des gens n'aiment pas humidifier leur visage après le make-up. Là, j'ai l'impression de rester sèche, mais moi, il faut que je sente que c'est humide parce qu'en plus, après, je nettoie mes paupières et mes lèvres avec le fixateur, l'humidité du fixateur. Et mon favori de tous les temps, c'est le XX, le Face Fix. Il sent la coco, il a une bonne brume, enfin franchement je l'adore. J'ai rien d'autre à dire. Voilà. Donc là c'est un œuf. Je vais l'entamer pour la vidéo encore une fois. Genre, je vais avoir 15 millions de fixateurs à terminer. 15 millions de produits à terminer de toute façon. Donc le spray est super fin aussi. Alors oui, je mets la dose aussi. De toute façon, je mets toujours la dose de tout moi. Mais vous voyez, je me sens pas super humide non plus. On va me prendre pour. On va, regardez pas ça les yeux fermés, sinon vous allez croire que c'est une série coquine. Voilà, donc là je vais nettoyer mes paupières, mes lèvres, mettre mon plumper. Celui que j'adore, c'est le collagène de chez Essence. Je crois que c'est la dernière fois que j'utilise parce qu'après j'arrive au bout du plastique là et ça va me faire mal les lèvres. Voilà, c'est mon préféré. Question qualité-prix, il n'y a pas mieux. Et ma base à paupières que je. Ah, j'ai rangé là. Attendez, j'en ai une ici. La Révolution Ultimate. J'ai pas trouvé mieux depuis que j'ai testé celle-ci. Big coup de cœur sur cette base. Je la préfère à la P. Louise. Elle est moins collante, moins grasse, moins épaisse. Elle s'applique mieux, elle diffuse mieux, elle fait mieux tenir. Enfin,
Pour moi, hein, l'application des fards dessus est mieux et elle refait très bien sortir les couleurs. Donc je vais faire ça, je reviens un peu plus près et on fait l'highlighter et les yeux. Highlighter, pas de surprise, mon plus gros coup de cœur depuis un bon moment maintenant, l'Alchemist Palette de KVD. J'ai jamais trouvé mieux, j'avais acheté à Glisten, je l'ai revendu parce que voilà, je. C'est que celle-ci, quoi, c'est. Je l'adore et j'aime les quatre teintes. Hein. Alors les quatre. Hein. Je vais mettre le mauve, tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis. Je ne sais pas du tout dans quelle teinte je vais partir de mes cuts, mais bon, on s'en fout un peu. J'adore le glow, j'adore les teintes, j'aime tout dans cette palette. Elle est magique. Magique. Mon plus gros coup de cœur palette. J'ai eu quelques beaux coups de cœur, hein, mais. Je ne sais pas quoi vous dire. Tellement je l'aime cette palette, c'est un truc de fou. Alors, par contre, il manque un fard beige pour poudrer l'arcade sourcilière. Elle n'est pas parfaite. On est d'accord. Il manque un fard beige pour poudrer l'arcade sourcilière. À la place des deux noirs, voilà, j'aurais mis un fard beige. Et il manque un fard pour le coin interne, clairement. Mais rien que les trois duochromes, donc ici, ici et ici, et ces deux fards-là, rien que ça. Alors, il y a un bordeaux comme j'adore. Il y a un kaki assez clair. Il y a deux noirs. Ça, c'est un peu. Il y a un bleu canard. Il y a un kaki plus foncé ici. Il y a vraiment toutes les teintes que j'aime dans cette palette. Si vous aimez les smokies, je vous l'ai déjà dit, et le duochrome foncé, elle est géniale. Elle est géniale cette palette. Trop gros coup de cœur sur cette palette. C'est un truc de fou. Alors, je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'on va faire. Donc on va y aller au feeling. Je pense que je vais partir sur un semi-cut crease classique, enfin une forme classique quoi. Au départ je voulais faire un smoky, mais je crois que je vous en ai fait il n'y a pas longtemps. Donc, enfin, de toute façon les formes classiques, je vous en fais régulièrement aussi. Mais on s'en fout, on s'en fout. Alors je vais commencer avec le Hildegard, qui est un de mes préférés pour la transition. Par contre, après, même problème, il n'y a rien pour le dégrader. Voilà. Donc elle a des défauts. Le packaging aussi, c'est de la merde. Il prend toutes les crasses. Surtout quand vous avez des animaux, alors il prend bien, bien, bien les poils. Mais. L'intérieur est tellement intéressant. Bon, après, si vous n'aimez pas le dark, passez votre chemin. Hein. La qualité est top. C'est la seule de la marque que j'ai. Hein. Mais qu'est-ce que je l'aime. Oh là 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 là. Je ne vais pas faire mon rat de cils, je pense que je mettrai peut-être une autre teinte en rat de cils. Mais vous voyez que même sans fard de transition, ça se dégrade tout seul. Bon, il y a mon fard beige, hein, bien sûr, mais ça se dégrade tout seul, quoi. C'est un truc de fou. Voilà, on viendra pour finir le dégradé après. Alors attendez, parce que je suis en train de me dessécher. Je crève de soif. Alors, ensuite, je vais prendre. En ce moment, je fais beaucoup du Bordeaux Compagnie, mais j'ai encore envie d'utiliser le Bordeaux Compagnie. Donc, je pense que je vais rester dans le sombre, sur la paupière, avec du duochrome, et mettre le pétula, donc le Bordeaux, en rat de cils. Ouais, on va faire ça. Donc, là, je vais prendre le. Je vais commencer avec le Tabata, donc qui est le gris aussi, mais un peu plus foncé. Que je mets en coin externe. Je vais revenir un peu dans mon creux plus précis d'ailleurs. Donc je dégrade sur la paupière et je commence déjà à dégrader un peu le coin externe. Je vais revenir un petit peu en rat de cils. Ok. Alors avec un petit pinceau crayon, je prends le Mercure. Non, je prends le Annabelle. Qui est le noir. De toute façon, il y a deux noirs, hein, donc vous avez le choix. C'est ça qui est un peu dommage. Et je mets ça plus précisément
Donc externe. Je ne prends vraiment pas beaucoup, je fais pouch pouch comme ça dans le fard. Le premier pinceau et je blende le noir avec. Un premier pinceau, le pinceau plat. Et je reprends le premier pinceau et je décrase partout. Alors, je vais prendre un autre pinceau plat un peu plus précis et je vais prendre la teinte. Je vais prendre l'espèce de marron, le Serafina, ici, pour mettre sur le reste de ma paupière. On viendra blender après. Alors, avec l'autre côté de mon pinceau, je prends le Melinda, ici. Je mets en transition des deux teintes. J'essuie mon pinceau et je vais prendre. Alors attendez, quel duochrome on va utiliser? J'ai envie d'utiliser le Médusa encore, mais c'est celui que j'utilise tout le temps. Donc je vais peut-être changer un peu. Je vais prendre le Euphénia ici. Et le Médusa, c'est mon préféré dans les deux chromes. Que je mets par-dessus le marron ici. Donc j'y vais au doigt. Il n'y a pas besoin, hein. Je travaille très bien au pinceau, hein, mais voilà, au doigt, ça envoie du lourd, quoi. Alors je reprends mon premier pinceau et la teinte, il le garde et je redégrade partout. Surtout que j'ai un problème, ça arrête pas de faire des trous ici. Je sais pas si vous voyez. Et en fait, je pense que c'est mon contour des yeux qui fait ça. Heureusement, je suis presque au bout. Coup d'estompeur propre. Alors bien, parce que hein, comme j'ai bien réintensifié le fard, il faut qu'on refasse un joli dégradé. Après, ça va, il se dégrade tout seul. C'est un truc de fou. Je suis assez bluffée à chaque fois par ces fards. Alors ensuite je reprends mon pinceau plat que je n'essuie, hein, comme d'hab. Oh, feignasse que tu es. Et je prends du coup le pétula, donc il y a le bordeaux, avec la tranche pour faire mon racine. Donc je le descends assez bien pour qu'on voit, hein, parce que sinon c'est pas intéressant de mettre une autre couleur si ça se voit pas. J'en prends un peu, oui en ce moment je fais que ça. Hein. Pour mettre ici, je reprends un peu avec la tranche pour mettre ici, pas trop hein. Sinon faut pas que ça se relie ici. Je reprends le pinceau estompeur, je blende en racine un petit peu le creux, pas trop sinon ça sera plus. Et ici, pareil, pas trop, sinon ça se voit plus. Je garde le même pinceau et je prends le Freya ici en dessous. Je rajoute que je mets ici un petit peu au centre. J'en mets partout. Mais le duochrome, c'est la vie. Non, j'y vais au doigt, mais bon, ça se voit pas assez. Non, c'est mieux. Je vais juste réintensifier un petit peu le. C'est lequel qu'on a mis au centre, le Euphénia. Ouais. Ici. Et je reprends le Freya pour mettre en coin interne. C'est le seul qui convient à peu près pour le coin interne. Je le trouve un peu pas assez clair. Mais ça ira avec le reste de temps. De toute façon, on en a déjà mis partout, un peu plus ou un peu moins. Voilà, bon, je pense qu'avec les fards, on est pas mal. Hein. C'est very dark, hein. Mais c'est very beau. Alors, en liner, mon plus gros coup de cœur, c'est le liner Glisten, mais pas que le noir. Hein, mais voilà, en tant que liner noir, et ben, bien sûr, les colorés. Hein, je sais pas quoi vous dire. Mais... Là, je vais rester que sur du liner noir. Donc, je vais prendre le Cola. Alors, je vais faire mon liner hors caméra parce que je suis jamais très, très, très centrée. Et je vais mettre mon crayon coup de cœur noir. C'est le W7, le Oh My Gel. Voilà.
Très bon crayon pour un rikiki prix. Donc je fais ça et je reviens. Voilà, j'y vais des petits points. Alors, avant de passer au mascara fossile, j'ai aussi un gros coup de cœur sur les strass de chez Shein. Franchement, je les adore, que ce soit c'est les deux modèles différents qui vendent dans ce truc-là. Donc, je vais en coller un ou deux quand même. Je regarde s'il y a. Je vais mettre ceux-ci là, qui sont un peu de chrome aussi, enfin multichrome même, je dirais. Et ils sont un peu dans les mêmes teintes que ma paupière mobile. Alors, où c'est qu'il est mon petit crayon pour les strass? Voilà. La petite colle essence que j'aime beaucoup pour coller les strass. Voilà, pas pour les fossiles, j'en ai une autre. Alors, je vais en mettre deux ici. Voilà. Le seul truc, comme j'ai dit, qui est extrêmement chiant, c'est qu'il n'y a que une teinte, une taille de strass. Ça serait super qu'il y ait plein de tailles différentes, mais c'est pas le cas. Mais oh, ces strass sont tellement beaux. Et du coup, j'en mets trois. Oh, ils sont magnifiques, mais vraiment magnifiques. Alors, en mascara, tout d'abord, il y a le Fistus de Inala, que j'utilise que pour les cils du bas, mais je l'aime énormément. Pour les cils du haut, il est pas mal non plus. Là, il est en bout de vie celui-là. Hein. Heureusement que j'en ai un en backup. Il sépare bien les cils, il est bien noir, rien à dire. Alors, en mascara, mon plus gros coup de cœur, enfin mon plus ancien coup de cœur, c'est le Lash to Kill Sexy Volume de chez Catrice. Donc là, c'est un œuf, c'est juste pour vous le montrer, mais je vous en ai déjà énormément parlé. Et je viens d'avoir un récent coup de cœur. Ça, je pensais pas que c'était possible. C'est le 5D Lash Pow de Révolution. C'est la première fois que j'aime un mascara Révolution, donc ça mérite d'être clair. L'ouverture s'ouvre comme ça, mais alors c'est une vraie merde, hein, parce que il coince. Alors la brosse. Elle est big big. Big big big. Hein. Donc normalement je mets deux couches. Là je vais en mettre qu'une puisque je vais mettre des fossiles. Donc ça sert à rien. C'est juste un peu pour noircir. Normalement je prends le Shiglam pour juste noircir un peu les cils avant de mettre des fossiles. Surtout que là j'ai un recourbement de cils. Donc déjà le liner c'était chiant. Dans les fossiles, je vous raconte pas la galère. Mais je sais pas si vous voyez. Mais franchement, il a un super. En deux couches, il est magnifique. Après, il est un peu cher. Hein. J'ai été voir, il est 10 balles quand même. Hein. Bon, c'est pas non plus excessif, mais c'est cher. Révolution a bien gonflé ses prix aussi. Dans les crayons aussi, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai eu aussi pas mal de coups. Ah oui, en liner aussi, j'ai eu un gros coup de cœur sur le Epic Ink Liner de chez NYX, vous me l'avez fait découvrir et j'aime beaucoup pour les détails, il est topissime. Si vous faites des bascules, il est génial. En crayon, les duochromes de chez Shiglam, j'adore. Et le kaki de Jeffree Star que Manon m'a offert, j'adore. Alors, on va passer aux fossiles et les derniers coups de cœur que j'ai eu, c'est les Mulan de la collection Essence et Princesse Disney. Et. Les Shiglam, tout simplement, enfin les Shein. Hein, donc j'ai envie de tester ceux-là aujourd'hui. C'est dès que j'ai pas encore testé. Donc on va tester ceux-là. Bordel sur mon bureau, c'est un truc de fou. Alors normalement, j'ai pas trop besoin de les couper. Par contre, ce qui est hyper chiant avec ceux-là, c'est la colle dans la boîte, quoi. Il y a beaucoup trop de colle. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait un gros pâté et elle est très 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 dure à enlever. Donc ça fait un peu dégueulasse. C'est dommage parce que la qualité est bien. Franchement, pour le prix, c'est des bons fossiles, même si la bande est un peu large. Après, si comme moi vous mettez des gros liners, c'est pas dérangeant, ça se voit pas, mais la colle est vraiment très dure à enlever de la boîte. Faut bien les assouplir aussi. Et du coup, ça nique déjà le fossile, quoi. Donc, si vous avez une astuce pour enlever la colle des fossiles neufs,
N'hésitez pas à me le dire, hein, parce que c'est extrêmement chiant. Parce que si vous perdez déjà une demi-heure à enlever la colle, le produit que je vais vous montrer juste en même temps, c'est pas une grosse, un gros gain de temps, du coup. Bon, écoutez, je sais pas faire mieux. Je ferai l'autre après, hein. Donc, je vais quand même juste couper une toute petite méchouille, je pense. Je suis en train de le niquer, déjà, hein, truc de fou. Oh, quoi que. Non, je vais les laisser entier. Alors, un de mes plus gros coups de cœur du moment, c'est la colle à fossiles Chiclam. Quand je vous le dis, hein, il y a vraiment énormément de produits Chiclam que vous m'avez fait découvrir. Enfin, j'ai découvert la marque grâce à vous et il y a plein de trucs qui sont dans mes favoris. Donc, c'est un petit embout liner comme ça. Alors, avec le recourbement de cils, je vais m'en foutre partout. Vous faites votre trait de liner. Oh, je vais en chier pour les coller. Hein. Donc bien insister sur le coin externe et le coin interne pour être sûr que ça tienne bien, mais il n'y a pas de problème. Donc normalement je fais les deux yeux en même temps. Mais comme là je vais en chier pour nettoyer l'autre fossile. Donc je l'assouplis quand même un tout petit peu. Et regardez-moi ça. Hein. Vous pouvez calculer le temps si vous voulez. Amusez-vous. Voilà, j'ai un recourbement de cils, donc c'est un peu plus long. C'est collé. Ils sont très beaux. Mais il y a le petit pâté dégueulasse, là. Ça, c'est pas beau. Bon, je vais mettre un petit peu de mascara. Je le fais jamais. Je remets jamais de mascara sur mes fossiles, mais... Là, je vais le faire, j'ai pas le choix. Bon, je fais l'autre et oh bah écoutez, il reste plus que la bouche, donc je vais vous dire. Alors, j'ai eu deux crayons coup de cœur, le Nabla Nude 2 qui est un beige, tout simplement. Voilà, j'adore, il glisse super bien. Attention, on a largement tendance à overliner. Et le Toast, c'est ça? Ouais, de chez Beauty Bay, il a une teinte parfaite. Bon, ça a un taillé, hein, mais. Donc ça, c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui pour remettre en dessous d'un rouge à lèvres. Et en rouge à lèvres, je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais le plus gros coup de cœur, ça a été les Melted de Too Faced. Bon, j'achète que ceux en collection limitée comme ça, parce que voilà, j'ai assez de rouge à lèvres. Et le Santa Baby de Jeffree Star. C'est celui que je vais mettre parce qu'il ira très bien avec la teinte Bordeaux. Je viens vous remontrer ce que ça donne et on se retrouve juste après. Voilà le make-up final avec tous mes produits, mes plus gros coups de cœur de ces derniers temps. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire puisque je vous ai tenu au courant à peu près tout le temps au fur et à mesure. Quoi. Ce rouge à lèvres, pff, mais qu'est-ce que je l'aime. Voilà, bah, j'aime tout, hein, de toute façon, oui, c'est mes produits coups de cœur, donc forcément je les aime. Hein. Voilà, bah, écoutez, j'ai rien de plus à vous dire. Dites-moi en commentaire s'il y a des produits que vous aussi c'est des coups de cœur ou que par exemple vous les détestez ou quels sont vos produits coups de cœur de ces derniers temps, tiens par exemple. Voilà, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça m'encourage vraiment beaucoup et on est presque aux 4000 donc il serait peut-être temps que ça monte un peu. Et voilà, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et en attendant, moi je vous dis bisous bisous.